Ouais, bonjour. S'il vous plaît, excusez-nous, nous avons toujours un yo. Attendez. Qu'est-ce qui fuit la concertation nationale? La concertation nationale. Bon. Au fait, vous savez, il peut se faire une fois. Comme qui dirait. Bon, attends. Peut-être. Vous savez, l'une deux fois. Parce que bon, normalement, je peux dire ceci. Monsieur, qu'est-ce que signifie la concertation nationale? Yaron n'a tout ni. Mais c'est ce que je suis en train de parler, messieurs. Quelquefois. Vous savez, dorénavant, il peut se faire. Peut-être si on peut croire. Espérons. Prenons les cas. Du genre, toutefois, mais il peut sembler que, papa, en réalité, quelque chose bête, est-ce que, aux anna éthique, aux anna, ouais, puis gris d'abord, il y a un journaliste, ouais, puis programme, il y a diffusion. Ça en a déontologie na yo. Non mais comment on a plein moussa. Non mais moi je travaille. Est-ce que j'ai le temps de poser ma question? Hein? Non mais tu n'as pas le droit papa. L'accent éthique na yo. Wapi gris à programme na yo. Mais pourquoi kasi on a ma question? Autant on a ma question sans gris. Hein? Non mais soyons sérieux papa. Ma question bête boy quoi embêter ngai bati ba katanga lito ina ciseaux liko ba question na papa mo. Hein? Non, 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 soyons quand même sérieux. Bonjour madame. Bonjour papa. Qu'est-ce que signifie la concertation? Concertation. Non, comment? Oui. Concertation nationale. Concertation nationale, et ça, aux unes des côtés, on beaucoup comme sous-sous, on beaucoup comme sous-sous-côté, on se coupe tout dans la catégorie, on a des concertations nationales. S'il te plaît, papa, tu vas boire un peu encore. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? On m'appelle Eli Kitenge. Vous êtes en quelle année? Je suis en sixième pédagogie. D'accord. Qu'est-ce que signifie concertation nationale? Concertation nationale. C'est quoi encore la question? Non, mais c'est clair la question. Qu'est-ce que signifie concertation nationale? En réalité, je suis en cinquième. Je ne suis pas en sixième. Bon, je ne suis pas en cinquième. En réalité, je suis en quatrième. Mais monsieur, on ne comprend plus rien. Même en quatrième, même les élèves de quatrième sont censés connaître la concertation nationale. Chez nous, la quatrième et la troisième, on a presque la même matière, mais ça, on n'a pas encore étudié. Merci. Ok, merci, monsieur. Qu'est-ce que signifie la concertation nationale? À la concertation nationale? Bon, en fait, dans un médecin, tu vois, consultation nationale, moi, je suis gynécologue. Je suis gynécologue, je suis patient, malade et tout ça, je suis sacré, je passe, tout ça. Ça ne fait pas vraiment partie de mon domaine. Mais par contre, je peux vous proposer un collègue, lui, c'est un radiologue. Hein, il a un domaine de radio, tout ça, oui, ça peut aller. Sinon, dommage. Merci beaucoup. Oh, merci. Bonjour. Qu'est-ce que signifie la concertation nationale pour vous? Moi. Je dis, qu'est-ce que signifie la concertation nationale? Ah, bon, la foule est là. Baba, ça, c'est mina ba salimia ba ntuku angu ku Kisangani. Nam salimia baba angu, papa ba Souli Bernard. Nam ba salimia ba ntuku angu mbote kula ku goma. Ah, papa, oh, ma tout nio question ba lobi, concertation nationale, eza nini? Ah, baba, nini on a n'y pas maïvi. Hein? On a n'y pas maïvi aïe. Hein? Merci beaucoup, on applaudit très fort pour...